Bonjour, je m'appelle Mamadou Niang, je suis Radi Begley Insoumis et j'exerce le métier d'inspecteur des finances publiques. Mon intervention portera sur la protection de l'hôpital public et sauvegarde du service public de santé. Dans mon intervention, je parlerai précisément de la privatisation rampante qui va avoir lieu dans l'agglomération bordelaise et qui est donc l'expression du projet Baya et qui est donc le transfert de l'hôpital public dans les mains d'un hôpital privé. L'hôpital public, c'est l'hôpital d'instruction des armées Robert Piquet et donc il va être transféré dans Bagatelle. Donc cette opération est c'est quelque chose qu'il faut stopper, qu'il faut arrêter, qu'il faut surtout se battre pour que notre hôpital public soit maintenu dans ce périmètre et que donc un mouvement citoyen s'est constitué avec le soutien de notre député Loïc Prudhomme. Nous voulons mettre en pratique, organiser un référendum où les citoyens pourront se prononcer et donc donner leur avis et surtout empêcher cette privatisation. La France insoumise doit intégrer dans ses axes programmatiques la défense du service public de santé et cet objectif doit faire partie de nos prochaines batailles et de nos campagnes à venir.